voilà. Je vais essayer quand même. Voilà. Alors, donc ce soir, vous êtes bien installés, ça va, vous m'entendez bien, ça va. Donc nous sommes là pour vous présenter une pièce de théâtre. Nous sommes une troupe amateur de Saint-Bafouille. Vous connaissez Saint-Bafouille, hein? Ah oui, oui, qui connaît Saint-Bafouille? Bon, ça fait plaisir. Donc voilà, nous sommes d'une troupe de Saint-Bafouille. Oui, bonjour monsieur. Donc, nous sommes là pour présenter une comédie. Mais nous sommes là surtout parce que l'association La Soledra nous a invités. Et nous sommes heureux de pouvoir jouer ici, dans cette salle magnifique de Sainte-Anatolie, que nous ne connaissions pas non plus, mais maintenant, ça y est, c'est chose faite. Donc voilà. Nous remercions La Soledra. Et La Soledra, d'ailleurs, pendant l'entracte, vous proposera quelques boissons pour vous rafraîchir. Voilà. Vous présentez. Alors, vous voulez aussi remercier parce que nous, on est sur la scène, voilà, on fait les guignols. Mais derrière, là-bas, il y a Jean-Pierre et Pierre qui nous assurent le son et la lumière. Les coiffures. Et donc, vous verrez tout à l'heure le décor. Voilà, je crois que je n'ai oublié personne. J'ai oublié personne. Ah si, pas de téléphone portable. Ils sont tous éteints. C'est bon, je suis mort. Ah, voilà. Donc, je crois que derrière moi, les acteurs sont en train de s'impatienter. J'espère que vous aussi. Vous allez voir jouer. D'accord. Alors vous allez applaudir. Ça m'exaspère. Hein? Non. Mais oui, j'y pense. Mais non, je n'ai pas encore parlé. Mais oui, je sais. Mais non. Bon, écoute, je fais mon maximum pour trouver une solution et je te rappelle, d'accord? Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Oui, je t'embrasse. Oui, d'accord. Sur les lèvres, oui. Comment? Non, ça, je ne répète pas. Coquille, va. Et j'en ai marre. Vraiment, ça ne peut pas continuer comme ça. J'ai vraiment envie de tout foutre en l'air et de partir loin. Mais loin. Oh, et vivre d'amour nu sur la plage. Ah ouais, ça me plairait. Mais que dis-tu, chérie? Rien. Enfin, si, je dis que ça ne peut plus continuer comme ça. Mais qu'est-ce qui ne peut plus continuer comme ça? Mais la boutique, voyons. Regarde-moi toutes ces factures. Il y en a de plus en plus. Alors que les affaires vont de moins en moins bien. Si ça continue, on va être obligé de mettre la clé sous la porte. Et pire, on sera peut-être même obligé dans l'appartement pour régler nos dettes. Mais c'est un peu que tu oublies. Que tu dis ça? Mais tu as l'air d'oublier que c'est moi qui m'occupe de la comptabilité. Alors je suis bien placée pour le savoir. Oh! Oui, ben voilà. Mais là, j'en ai ras le bol. Ah, je sais, mais là, j'en ai ras le bol. Et mais moi donc? Non, mais je préférerais nettement aller me dorer la pilule sous les cocotiers. Hein. Mais non, ça fait je ne sais pas combien de temps que je te dis de vendre ce magasin.
demoiselle qui sombre de plus en plus. Mais non, tu t'obstines à ne pas vouloir te débarrasser de ton bébé. Non, mais tu m'arrends, toi, 18 ans de travail acharné et de sacrifice pour le voir grandir et le voir tourner. Chez Moreau, les tissus qu'il vous faut. Tu crois que ça donne envie de l'abandonner, toi? Mais moi, je suis pas mal contribué. Et pour ce qui est de respect sacrifice, j'ai eu ma dose. Toujours le nez dans le guidon, jamais de vacances, et en prime, même pas le temps pour élever des enfants. Ou c'est à peine si on aurait eu le temps d'en faire, d'ailleurs. D'ailleurs, à ce propos, vu tes performances et la rapidité avec laquelle tu expédies la chose, on aurait pu en faire une très propre. Mais je te remercie, c'est agréable. Mais tu crois que c'est facile, toi, après une journée de 15 heures de boulot, hein? Et puis, je te signale tout de même que les performances sexuelles d'un homme dépendent à 80% de la motivation de sa partenaire. Et là, excuse-moi, mais c'est plutôt Tati Daniel que... C'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis qu'on aurait dû vendre depuis longtemps. Et oui, mais avant, c'est pas possible parce que ça marchait trop bien. Et puis maintenant, c'est pas possible parce que ça marche trop mal. Et puis réfléchis, qui voudrait une telle affaire dans ces conditions? Et puis à quel prix? Parce que si c'est pour brader et se retrouver à la rue, c'est pas la peine, hein? Mais on n'est pas obligé de tout dire non plus, on pourrait un peu enjoliver les choses. À condition de trouver un pigeon prêt à nous débarrasser de ce fardeau à un beau prix. Mais voyons, il y en a plein à la rue des pigeons. Et puis des pigeons, prêts à payer le prix fort, une affaire en train de se casser la gueule, hein? Plein la rue! Ah oui, ça, les pigeons plein les rues, ça ne manque pas, hein? Sauf que ces volatiles-là sont plus du genre à te dédicacer l'épaule plutôt qu'à te remplir les poches. Hein. Non mais écoute, ton idée, c'est pas une mauvaise idée, mais ce qu'il faudrait, c'est un battant, un fonceur, hein, quelqu'un qui a les épaules solides et qui soit prêt à viser sur une affaire pour l'avoir plus haut. Oui, ça, c'est ça qu'il faudrait. Ah oui, mais oui, en effet, quelqu'un qui a les épaules solides, surtout financièrement, hein, et qui serait prêt à investir ses économies sur parole. Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui serait prêt à miser cash. Mais pas trop malin quand même. Quelqu'un qui ne poserait pas trop de questions et qui serait suffisamment cupide et intéressé. Un arriviste, quoi. Oui, c'est ça, un arriviste. Ouais. Voire même un parvenu. Et d'autant que ça ne manque pas dans nos relations, ce genre d'oiseau. Ah, tu penses à quelqu'un en particulier, là? Bah écoute, les Lombards, tiens. Les Lombards, mais tu plaisantes ou quoi? Il n'y a aucune parole, ce type. Il vendrait sa femme au premier nu et après, il demanderait le divorce pour être le père. Ah ben alors, les Glutmans. Non, mais les Glutmans. Il n'y a pas plus râlé que lui. Bon. Je vois pas. Et les Lecomte, ils ont pas mal d'argent, les Lecomte. Non mais tu rigoles. C'est elle qui a l'argent. Et à part les fringues, les séances du V, les injections de collagène, il n'y a rien qui l'intéresse. Non, je vois pas. Et les Merlins. Les Merlins. Ah. Max et Tatiana. Oh, alors là, ça c'est parfait. Surtout qu'elle en veut toujours plus et lui, il aime bien l'argent facile. Et puis en plus, lui, il est incapable de se mettre à son compte pour gérer une entreprise, et en même temps, il ne supporte pas d'avoir une supérieure hiérarchie. C'est parfait, ça. Et quant à Tatiana, on ne peut pas plus vénale. Elle le presse comme un citron pour pas dépenser toujours plus. Ah oui, c'est vrai que pour son apparence, elle compte pas la castafiore. Ah oui, ça c'est sûr. Bah, c'est vraiment les pigeons qui le font, hein. Et oui, mais attends, est-ce qu'ils auront les moyens de payer? Oui, écoute, bon, Max ne roule peut-être pas sur l'or dans les assurances, mais il est issu d'une famille aisée. Ah. Et je me suis laissé dire qu'il venait d'hériter d'un de ses oncles dernièrement. Alors de ce côté-là, il n'y aura pas de problème. Bien, bien, mais ils sont sélectionnés, là. Parfait. Et oui, mais si refusé. Ah oui, c'est refusé. Mais l'idéal, ce serait de pouvoir les motiver. Il faudrait les mettre en concurrence avec d'autres pigeons. Pour leur faire monter un peu la pression. Ça, ce serait une bonne idée. Ah, c'est pour moi, ça, oui. Mais alors, avec qui? Ah oui, avec qui? Ah. On a déjà eu du mal à en trouver deux, hein? Qui pourrait être aussi stupide et vénal qu'eux et capable de se monter le bon champ pour en monter la course? Les girafes! Mais oui, ça c'est très fort! Alors, c'est les champions du monde! Oh. Ah oui! On peut pas espérer mieux, moi! Ah ouais, non, la place mondiale! Attends, Nadège,
une cruche quand même, à se demander si c'est sa couleur naturelle de cheveux. Pourquoi tu dis, elle est pas vraiment blonde? Oh si, mais gourde à ce point-là, sa vraie couleur devrait être blond platine. Oui, oui, voire même albinos. Ah oui, oui. Bon, mais c'est parfait, ça y est, on les a trouvés, hein. Ah oui, parfait, oui. Et d'autant que Nadège et Tatiana s'entendent pas trop. Mais oui, c'est vrai qu'elles se jalousent mutuellement. Ah, tu vois. Ça ne se fréquente pas. Parce que quand on était au lycée avec Max et Étienne, Max y copiait tous ses devoirs sur ceux d'Étienne. Et pendant ça là, Étienne, il allait piquer les nanas de Max. Bah voilà une compétition qui s'annonce plutôt bien. Ah oui, oui, là ça va. Ah, ouais. En revanche, il va falloir jouer serré avec ces têtes, hein. Parce qu'ils ont brûlé à 22 à l'église. Ils sont loin d'être baisses. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Je veux dire que l'affaire, c'est une mine d'or. Il faut leur présenter sur un plateau en or massif. Compris, compris. Suppose, j'arrangerai un peu la comptabilité. Avec mon bureau qui est à côté, c'est facile. Oui, bon, alors voilà comment je vois les choses. On va les inviter ici, hein, manière de créer une ambiance détendue. Et après, on leur présente l'affaire. Alors évidemment, ce devra être une excellente opération pour eux. Hein. Des gains énormes, un travail facile, et en plus, pas de risque. Ouais, mais il ne faut pas en rajouter trop non plus, hein, sinon ils vont flairer quelque chose. Hein. Ah, oui. Ah oui. Bon, écoute, une bonne affaire, saine, fiable, mais bon, pas non plus la plus grande mine d'or du monde. Parfait, parfait. Et s'ils nous demandent pourquoi on veut s'en séparer? Ouais, non, ça c'est facile, ça n'aura qu'à dire que ben, on en a bien profité jusqu'à présent, hein, et que maintenant, hein, on veut récolter la moisson pour nous, voilà, pour notre tête. Et puis, en vendant, on en peut profiter quelqu'un d'autre. Bien, eh ben écoute, je te laisse les appeler et leur expliquer. Ah d'accord. Bon, eh bien, ok, ok, d'accord. Ça très bien. On en occupe. Dès demain, je les appelle et je les invite à venir ici. Bien. Pas de problème. Eh ben, je compte sur toi, hein. Tu les appelles et tu les convaincs. Hé, hey, je ne vais pas leur dévoiler tout de suite l'objet de mon appel. Je vais les laisser converger un petit peu avant de venir. Tu es un petit peu stratégique, alors. Ne t'inquiète pas, c'est purement stratégique. C'est juste pour les mettre en condition. Bien, eh ben, je te laisse opérer. D'accord. Et comme je te le disais déjà, je compte sur toi. Et ensuite, nous, le sable blanc. La mer turquoise et les cocktails à l'ombre des cocotiers. J'en salive déjà. Alors ça, ce programme-là, c'est pas pour toi, tu peux toujours répondre. Alors ma Bernie, oui, c'est moi, oui. Oui, je crois que j'ai peut-être trouvé une solution. Oui, c'est ça, on se voit demain, comme d'habitude, et je t'explique, oui. Et après, à nous, le sable blanc, la mer turquoise et les cocktails à l'ombre des cocotiers. Thank you.
J'ai acheté la semaine dernière sur Internet, rayon high-tech. Allô, Nadège, bonjour, c'est Jean-Baptiste. Alors, comment allez-vous? Oui, je sais qu'on se tutoie d'habitude, Nadège, mais si je dis comment allez-vous, c'est juste parce que je m'adresse à toi et à Étienne. Comment ça, c'est pas possible? Parce qu'Étienne n'est pas là. Non, mais Nadège, je peux quand même m'adresser à vous deux juste pour vous demander de vos nouvelles. Mais oui, je sais bien qu'Étienne n'est pas là. Mais écoute, mais non, mais je te dis pas vous à toi, je dis tu à tous les deux, tu le sais bien, on se tutoie, Nadège. Bon, écoute, Nadège, comment vas-tu? Mais oui, je sais bien que t'es pas sourd, mais si je crie, c'est parce que... Bon, Nadège, il revient quand, Étienne? Parfait, je rappelle dans un moment. Au revoir, Nadège. Mais qui est papa ou celle-là? Mais à qui tu parles, là? Mais à Nadège, je comprends rien, celle-là. En fait, pourquoi ne t'adresses-tu pas directement à Étienne? Parce qu'il est pas là. Attends, je te comprends pas, là. Tu téléphones à Étienne en sachant qu'il n'est pas là et tu t'étonnes que Nadège ne saisisse pas. Et je ne savais pas qu'il n'était pas là. Parfait, tu viens de me dire il y a 30 secondes. Bon, écoute, ma chérie, s'il te plaît, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça, hein? Oui, bon. Voilà. Alors, pour notre affaire, il est OK? Ben, écoute, j'en sais rien, je ne l'ai pas eu. Je lui fais rappeler tout à l'heure, OK? Bien, bien. Voilà. Je te laisse faire. Mais tu auras quand même que t'es compliqué à comprendre, hein? Oh ben alors là, les bras m'ont tombé des mains, hein. Bon alors, dans ces cas-là, surtout, restez calme, hein. Surtout, on fait une pause. Voilà comment je fais, moi. Moi, j'explique profondément. Je fais le vide dans ma tête. Je déplace toute l'attention. Voilà, c'est le bien-être. Bon, allez, maintenant, j'appelle. J'appelle Max. Ça sera peut-être plus facile. Ah, mais vous inquiétez pas, je vous donnerai l'adresse à la sortie. Hein. Allô, Tatiana, bonjour, c'est Jean-Baptiste. Alors, comment vas-tu? Ah, on se tutoie pas d'habitude. Alors, comment allons-nous? Nous allons bien, très bien, parfait. Oui, moi aussi, ça va très bien. Max, il est là. Parfait, je patiente. Passons une bonne journée! Allô, Max? Bonjour, c'est Jean-Baptiste. Alors, comment vas-tu? Tu vas bien, super. Bon, dis-moi, je t'appelle là parce que je suis actuellement sur un gros projet. Oui, c'est ça, il commence à faire, oui. Et évidemment, j'ai tout de suite pensé à toi. Bon, c'est normal. Entre amis. Voilà, je me suis dit que le plus simple, ce serait que vous veniez passer quelques jours à la maison. Hein? Possible ça? Le 22, vous êtes libre? Le 22 à midi? Parfait! Et bien, écoutez, le 22. Allez, ciao Max! À la prochaine! Ok, ciao! Ah oui! Oui, Jean-Baptiste Morel! Ah, c'est Thomas Pirus! Non, ça va! Oui, écoute! Hein? Oui, je suis bien rentré, oui! Ce que j'ai préféré! Oui! C'est quand t'as mis ton masque de chat tout à l'heure et que tu t'es mise à miauler langoureusement. Miaou, 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 miaou. Et qui tu parles là? Ah, c'est toi, ma chérie? Ben, qui veux-tu que ce soit? Pif le chien? Non, c'est rien. Je téléphone avec Max. Et tu lui parles un chat? Non, disons que. Il m'expliquait que Balthazar n'a pas plus depuis peu, il miaule. L'air d'Oberman miaule. Non, mais en fait, je l'ai expliqué, alors pour ça j'ai mis des chats pour être sûr qu'ils ne confondent pas, quoi. Oui, c'est ça, oui. Et Mars confond les chats et les chiens, oui. Oui, enfin. Non, mais écoute. En fait, Balthazar n'a pas, il miaule. Enfin, je veux dire, il a voix comme un chat, voilà. Là-bas. Un Doberman qui miaule, non mais... Et Max, ton pigeon, il fait quoi? Il est au goût, là. Ah, c'est vrai, ça. N'empêche qu'il est dans la maison. Ah, t'es là, ma perdrie? Non, c'est rien, c'était ma femme. Hein? Pourquoi tu lui dis on n'a pas de Doberman? Ah, non, c'est rien, je t'expliquerai. Bon, écoute, mon poussin, je te rappelle, hein? Oui, je te rappelle. À plus tard, ciao.
Carpe diem, j'espère qu'il est rentré, hein. Allons, Étienne. Bonjour, c'est Jean-Baptiste. Alors, comment vas-tu? Tu vas bien. Super. Tu peux pas savoir comme je suis content. Non, moi aussi, ça va très bien. Je te rassure, oui. Bon, écoute, je t'appelle parce que je suis actuellement sur une grosse affaire. Oui, c'est ça, une grosse affaire et... Oui, voilà, oui, bon, alors, écoute. Non, c'est normal, entre amis, oui, non, je te privilégie, bien sûr. Voilà, je me suis dit que le plus simple, ce serait que vous veniez passer quelques jours à la maison. C'est possible? Parfait, le 22, vous êtes libre? Ah, tu sais pas si c'est possible parce que Nadège a rendez-vous chez son gynécologue. Ah, ça, c'est embêtant, oui. En fait, je veux dire, le tout vive, là, il n'a pas le droit de... le choix dans la date. Ah, c'est pas le 22, c'est le 28. Ah, ben vous êtes libre alors. Ok, parfait. Ben écoute, Étienne, au 22 à midi, hein. D'accord. Parfait. Ciao, Étienne. Allez, ciao. Chérie, et de deux. Eh ben, tu vois, mon minou, ça valait le coup de sortir tes narines. Oui, les visions vont venir, mais encore faut-il les attraper. Ouais. Bon, t'as pris mon route? Ouais. Oui, très bien, et toi?
millions, hein. Ah ouais, ça date bien des olives carrées. Ah ouais, ouais. Bon, mais dis-moi, tiens. Ah ouais, ouais. Mais dis-moi, hein, pourquoi tu te bronzais comme ça, toi? Ah ouais, mais t'as vu, hein, t'as vu, hein. Ouais, oh, il est allé au Sky. Oh, il est allé au Sky, il est à Morzaï. On a Sky, on a Sky, on a Sky. Oh, génial, génial. T'es tout seul, non? Non, il y a de la neige aussi, hein. Ah, parce que... Non, mais la neige, il a mis la cagoule à l'envers. Du coup, elle a un peu tombé et elle a pas trop bronzé. Mais elle s'est amusée aussi, hein. Je comprends. Alors, dis-moi, comment on va les arbres? Vite. Hein? Comment vont les arpés? Oh, y'a. Tu sais que je suis plus du tout dans l'architecture, mais hein. Ah bon? Ah ouais. Mais là, je suis dans l'international pub style. International, yes, you understand. Les publicités comme la publicité. Ouais, et ça marche du tonnerre, hein. Je peux faire un maximum de pognon. Parfait. Mon voyage in the world entier, c'est bien. Ouais, c'est génial. Et toi, la mère. Oh, moi, tu sais, c'est toujours pareil. Je n'arrive pas à trouver de travail. Ah ouais. Ouais. La neige se démène énormément dans ses recherches, mais sans succès à ce jour. Hein. Ah bon? Ouais, bon, ouais. Mes revenus dans l'international publicitaire me permettent largement de vivre sans cela. Hein. Non, mais ah ouais. Il s'agit plutôt de trouver un job, quoi, une activité pour l'occuper. Hein. Oui, je voudrais tant prouver à mon loulou que je suis capable. Je m'habille bien plein de preuves, oui. Non, en fait, les deux problèmes, oui. C'est l'entretien d'embauche. Oui. Ça rate toujours à ce moment-là. Plutôt. Ah ouais, ouais. Je vais avoir une chance, hein. Ah oui, je dois être ça rapidement. Mais bon, vous avez pas essayé le piston, non? Bon, of course. Avec l'international, bah non. Là aussi, échec total. Ah, c'est crédible, hein. C'est sûr qu'il y a des domaines contre lesquels on ne peut pas lutter. Ah ouais, ouais. Et c'est pour ça que je voudrais avoir ma propre entreprise, comme ça je serai mon patron et je me ferai mes propres entretiens d'embauche. Alors, bon, quand il sera là, on pourra en parler plus sérieusement. Ah ouais.
pas comprendre. Allez, allez, je vais les accueillir. Entrez, entrez. Les roses blanches, décidément, je t'ai gâté. Allez, Bonjour, comment ça va? Désolé pour le retard. Hein. Non, c'est rien, on allait commencer à trinquer. Oh, vous savez, mon cher Jean-Baptiste, avec Max, il est impossible d'arriver à l'heure. Oh, je t'en prie, Tatiana, tu vas pas recommencer, hein? Ben quoi, c'est la vérité. Max, il est incapable d'aller quelque part sans se perdre. Écoute, Tatiana, tu pourras avoir au moins l'honnêteté de dire que nous sommes en retard par ta porte. Mais tu rigoles ou quoi? Nous avons fait trois fois le tour d'un pâté de maison. La boulangère, à chaque fois, elle faisait un petit signe. Et au troisième passage, elle nous a dit « À tout à l'heure !» Il y a la peine d'avoir GPS, tiens. Mais c'est quand même pas en faute, il y avait des travaux et des déviations, non? Et puis tout cela serait pas arrivé si on était parti à l'heure. Mais là, t'as dit que je vous explique, vous avez 5 minutes. Bon, les femmes, vous taisez, les hommes, vous allez me comprendre. Oui. Il a fallu attendre. Essayage de la 4e robe avec la 3e paire de chaussures, qui n'était pas sortie à la veste. Donc, retour au premier tailleur, il y avait la 4e paire de chaussures. Et pendant ce temps-là, elle tourne. Mais, c'est de ta faute, après tout. Je n'ai plus rien à me mettre sur le dos. Peu cher. Deux armoires pleines à craquer, un dressing particulier et des valises en veux-tu en voilà. C'est vrai que ça fait un peu juste, papa. Et en même temps, ma chère Tatiana, si vous n'avez pas grand-chose à vous mettre, le choix devrait être plus rapide. Alors là, voilà une remarque très pertinente, ma chère Nadège. Vous nous avez pas habitués à cela, hein? Oui, c'est ça. Et alors, si vous connaissiez son cassoulet... Oh,
venez à Toulouse. Oh là là. Ah oui, j'ai trouvé un truc, j'ai retrouvé un truc. Collector, à mon avis, regardez-moi ça. Ça va vous rappeler des souvenirs. Oh, oh là là. Émanie. C'était quoi déjà? C'était quoi? De Maquis. Si tu savais, t'en réponds où on se la met. Aucune hésitation. Non, non, non. Voilà, on est pas au volant. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu peux le garder, hein, parce que ça peut servir. Hein. Parlons de Ludwig. Tu nous disais que les affaires marchent du tollé en ce moment. Effectivement. Alors figurez-vous qu'on a une affluence de clientèle en constante progression. Et les ventes sont de plus en plus importantes. C'est bien simple, on a presque du mal à fournir. Mais chérie. Bon. Oui, tout à fait. Et alors, on a développé la vente sur Internet. Et alors là, le plus incroyable, c'est que les marges étant très confortables, on fait de plus en plus de bénéfices. Sans pour autant travailler beaucoup plus. Travailler plutôt cool et bien rémunéré, quoi. Absolument. Ah ben c'est exactement le travail comme ça qu'il faudrait, ma chérie, hein. Ah, exactement ouais. Ça. Bon, un magasin comme le vôtre, ça correspond aussi à ce qui nous plairait qu'il fasse pas, chérie. Mais quoi, mais on a un travail tous les deux, là. Et ça suffit, hein. Oui, bien sûr, mais bon, il faut dire que ton travail dans les assurances, ça n'évolue pas beaucoup. Et puis... t'entends de moins en moins avec ton patron. Ça, c'est vrai. Et moi, dans le secrétariat, c'est un peu la même chose, et puis, ça paye pas beaucoup. Ça, c'est vrai aussi, hein. Oui, mais c'est sûr qu'être son propre patron, c'est une responsabilité, c'est certain. Mais ce n'est pas désagréable. Et puis, ben, on fait ce qu'on veut, on est son propre patron, hein. Sur le plan financier, c'est tout de même plus confortable, hein. Voilà. Évidemment, vu comme ça... Personnellement, j'aime trop mon boulot dans l'international publicitaire pour vouloir en changer, hein. Mais pour la neige, je souhaite avoir des responsabilités, ça ressemble à une statistique que je recherche. Mais justement, hein, justement, c'est exactement pour ça qu'on vous a demandé de venir ici. La vérité, Céline et moi, nous avons décidé d'arrêter et de vendre notre affaire. Oh, je comprends pas. Tu nous dis que ça marche du tonnerre et tu me vends. Céline et moi, on a estimé qu'il était grand temps pour nous de prendre notre retraite et de profiter agréablement de la vie avec les gains accumulés. Et puis, tant qu'avant une affaire, autant faire quand elle tourne comme une horloge et qu'elle est bien lancée, hein. Et vous n'avez pas pensé la mettre en gérance? Bah, on a pensé à toutes les possibilités. Mais la gérance, ça ne nous convenait pas parce que ça nous obligeait à jeter un œil sur la comptabilité, la boutique, et c'était pas pratique depuis les Bahamas. Hein? Les Bahamas? Parce que vous comptez aller vivre aux Bahamas? Ah oui, ça nous semble un excellent endroit pour profiter de la vie, hein. Voilà, donc, comme je vous disais, notre choix s'est porté sur la vente de l'affaire. Mais je dois vous avouer que le plus difficile, ça a été de trouver à qui la céder. Et oui, parce que bon, j'ai trouvé des gens compétents, hein, fiables, des gens sérieux, capables, des gens dignes de confiance, qui ont des capacités à diriger une entreprise, hein. De véritables amis, hein, dévoués, et ayant les épaules solides. Parce que vous comprenez cette affaire, c'est un peu notre bébé, on ne peut pas la confier à n'importe qui. D'autant qu'en matière de bébé, on peut dire que c'est notre unique enfant. Hein. Oui, bon, ma chérie, il a fallu faire un choix, on l'a fait, maintenant, à nous d'assumer, d'accord? Ouais, un choix, en ce qui te concerne, j'ai bien peur que tu n'avais pas réellement eu. Oui, bon, ma chérie, je ne pense pas que ça intéresse nos invités, là. Bon, donc je vous disais que le plus difficile, ça a été de trouver le candidat parfait. Mais, après des sélections et des éliminations successives, vous êtes arrivés tous les quatre en finale. Hé, c'est comme à la Nouvelle Star, alors. Oui, en fait, sauf que là, c'est pas pour chanter à la télévision, hein. Oui, laisse aller, je t'explique. C'est des affaires, c'est des merdes, hein. Et qu'est-ce qui vous a convaincu de nous sélectionner? Max, on se connaît depuis longtemps. J'ai confiance en vous, hein. Et puis, je pense qu'effectivement, ça correspond tout à fait à ce que tu recherches pour Nadège. Ah ouais. Quant à toi, je pense que c'est l'opportunité que tu attends depuis si longtemps pour te mettre à ton compte. Voilà, bon. Et
moyen de garder les meilleurs. Hein? Oui, et puis financièrement, je pense que ça ne vous pose pas trop de problèmes. Toi, Max, avec l'héritage de ton oncle dont tu m'as parlé, là, quant à toi, Eugène, je pense que maintenant, dans l'international publicitaire, il n'y a pas de problème pour investir dans ce genre de projet. Et vous avez eu accès à nos comptes en banque sans trop de problèmes. Il fallait bien éliminer ceux qui ne pouvaient pas acheter l'affaire, même s'il avait voulu. Ce n'est pas une obligation. Si ça ne vous intéresse pas, ce n'est pas un problème. Ah non. Ah oui, absolument. Nous, cette affaire nous séduit, n'est-ce pas, chérie? Oh, oui, oui, alors, oui, oui. Vous pouvez arrêter tout de suite, si ça vient. Comme ça, tout le monde gagnera du temps. Oh, mais tu en penses ça, chérie? Ah, mais non, mais pas du tout. Moi, ce magasin, j'en rêve depuis toujours. Et puis moi, j'ai pas besoin d'un héritage pour me faire plaisir. Ah oui? Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que nous, on n'a pas besoin d'attendre que les gens meurent pour s'offrir quoi que ce soit. Comment elle peut parler, celle-là? Elle n'a rien dans la tête. Et en plus, elle veut mal apprendre. Laisse tomber, Tatiana, laisse tomber, calme-toi. Tourne-toi, va. Tu vois pas que c'est une cagole. Écoutez, calme-toi. Nous avons une excellente opération à vous proposer. Nous sommes conscients que vous vous intéressez aux uns ou aux autres. Hein? Bon, mais le problème, c'est que, Céline et moi, nous sommes incapables de vous départager. Alors bon, et c'est justement pour ça que vous êtes ici. Alors bon, tout au long de ce week-end, on va essayer de se comporter comme des sérieux. D'accord? On va discuter entre nous. Ouais. Et celui qui aura les arguments les plus convaincants, on portera le marché. Ouais. On est d'accord comme ça? On est d'accord. Tiens, c'est quand même mieux comme ça. Oui. Depuis tant de souvenirs, ça serait trop bête de se disputer. Hein, vraiment. Ouais. Parce qu'on est le but à la main. Ouais. Oh, ma chère Nadelle, c'est pas offusqué tout à l'heure. Je plaisantais, naturellement. Mais quand même, pas de cela entre nous. Bon, ma chérie, ne penses-tu pas qu'il est maintenant grand temps de montrer à nos invités les chiffres de l'entreprise? Mais tu as raison. Des chiffres. Je vais aller les chercher dans le bureau qui est à côté. Ah oui, en fait, je vous ai dit que Céline tenait la comptabilité dans un bureau à côté. Ah non. Mais figurez-vous que Céline tient la comptabilité dans un bureau à côté. Chérie, oui. Je viens, tout de suite. Sacré Jean-Bart, j'étais loin de me douter qu'il vendrait son affaire pour prendre la retraite. Hein. Ouais, c'est vrai. 46 ans. Hein. Après toutes ces années de laveur, il vend son business au moment où ça marche au plus fort. Tu vois, je vais te dire, hein, il vaut mieux vendre plein cerveau plutôt que plein savoir de l'aide. Ah ouais. Autant pour l'acheteur que pour le vendeur, d'ailleurs. En tous les cas, moi, je n'y verrai bien dans ce magasin. Eh ben, vous n'êtes pas prêt d'y aller, très cher. Alors là, c'est possible. Mais Jean-Baptiste et Céline feront faire leur choix judicieusement et je pense qu'ils choisiront une personne capable pour leur magasin. Capable intellectuellement parlant, je veux dire. Eh bien, moi, je pense au contraire que le choix ne se portera pas vers des personnes vulgaires et de mauvais goût. Parce que là, alors, et ma chère Nadège, pour ces deux raisons, vous ne serez jamais choisie. Alors, c'est plutôt vous qui n'avez pas le profil pour ce travail. Ah, parce que vous croyez avoir intrinsèquement la capacité d'assumer de telles responsabilités? Nadège, avez-vous compris tous les mots ou faut-il que je vous les explique? Arrête maintenant, ça suffit, ça devient grotesque. Bah oui, de grâce, c'est sans ces enfantillages qui nous mèneront nulle part. C'est elle qui a commencé, Oh, s'il vous plaît, on n'est pas à la maternelle, Oh, vous, et on vous demande pas ce que vous faisiez au lycée, Tatiana! Ça suffit! Mais c'est elle qui a commencé! Tais-toi! Tais-toi! Thank you.
fini, là. C'est fini, j'en fais plus d'architecture, maintenant, voilà. Je suis un international publicitaire. Quels enfants? C'est de la publicitaire, tu vois, mais à l'international. Ah, ça marche super bien. Du tonnerre, vraiment du tonnerre. Hein. Et toi, l'assurance? Ah, oh, c'est moyen, il y a des hauts, il y a des bas. J'ai appris que tu avais changé de voiture. Oui, j'ai acheté ta carte. Ah, pour mon motrice. Ah, ouais, c'est plus pratique pour pas le bazar. On dit que la taille de la voiture d'un homme est inversement proportionnelle à la taille de son sexe. Tu me gênes, là, comme ça. C'est vrai. Ce n'est pas un 4x4 que Max aurait acheté. Oh, chérie, arrête. C'est un transitoire. Oh, mais c'est maligne, ça, t'es. Oh, chérie. Oh, ne se vexe pas. Je disais ça comme ça pour détendre la bonne fer. Il faut dire qu'aussi, tu n'es pas Rocco Siffredi. Ah, mais de plus en plus, je te remercie. Et toi, tu passes un microfond. Eh ben non. Mais enfin, mon cher Max, ne vous baissez pas, hein. Eh, vous savez, c'est pas grave hein, d'avoir un tout petit. Non, mais c'est fini, oui. De quoi je m'en vais, là? Oh là là. Vous savez, de toute façon, j'ai pas vu tout nu, donc je peux pas savoir, hein. Vous n'avez jamais vu ma vie. Oh ben non, hein. Évidemment, c'est pas mon type. Hein. Ah ben, pour moi, hein. Oh, vous, on ne vous demande pas combien de pétasses vous avez sous le vent, ici, hein. Ouais, puis dans les privés, ils vont passer, ils vous regardent pas, hein. Ouais, toute ta vie, elle t'a pas empêché de me soulever toutes mes copines au lycée. Ouais, oh, toi, t'étais bien content de me trouver pour t'aider à préparer tes examens, hein. Ouais, mais surtout, puis je vais pas bouger la gueule. Ouais, mais c'est sûr que toi, tu leur faisais pas leur mal avec moi. Hein. À mon tour. Moi, gérer un magasin à mon propre compte, c'est un pur rêve pour moi.
Je supporte moins en moins les hiérarchies. Je sais que si j'attends encore plus longtemps, je vais finir par péter un câble. En plus, nous avons la capacité financière pour pouvoir acheter. Alors croyez-moi qu'on ne va pas laisser passer cette affaire. Mon cher Max, mon brave Max. Ah, je comprends ton point de vue, hein. Je ne veux pas rester un loser toute ta vie, hein. C'est normal. Hein. Mais bon, il se trouve que Nadège a absolument envie d'avoir une entreprise comme celle-là. Et elle a besoin d'avoir une activité. Hein. Elle est sans emploi depuis trop longtemps, elle ne trouve rien. Moi, je veux bien croire qu'elle était capable de trouver un emploi. Mais quand même, c'est pas de notre faute, hein. Hé, hey, je suis pas plus incapable que toi, hein. Oh, excuse-moi, Nadège, mais maintenant, pour trouver boulot maintenant de nos jours, il faut avoir un minimum de jugeote. Et c'est quand même pas votre capacité première, ça se saurait. Ah ben, c'est exactement pour ça que je peux pas laisser passer une telle affaire. Mais reconnais que parfois, il faut t'expliquer les choses assez longtemps, tu comprennes, hein. Ah bah merci. Ah bah appelle-moi con pendant qu'on est. Oh ma chère Nadège, au féminin, conne. Ça irait beaucoup mieux, hein. Et bien, en attendant, ta situation peut très bien te permettre de même si Nadège ne travaille pas, de vivre, quand même. Oui, mais elle a besoin d'avoir une activité pour prouver sa valeur. Écoutez, elle peut s'inscrire dans un club. Voilà. Faire une activité, tenez, pas très loin d'ici, il y a un endroit où on fait de très jolis colliers de nouilles. Ah ben, moi j'ai pas envie de faire des colliers de nouilles, hein. Et il y a d'autres activités, il y a le coloriage, le découpage. Mais oui, vous aurez le choix, vous aurez qu'à choisir alors quand même. Il n'en est pas question. Oh merde, maintenant vous allez nous lâcher, oui. Oh Max. Oui. Tu coup, ça va encore dégénérer. Au bout, hein. L'Américain, ça suffit, hein. Vous avez intérêt d'aller trouver un nom à votre pétasse de femme ailleurs, hein. Et toi, espèce de traînée, retourne dans ton quartier. Oh. La traînée, tu sais ce qu'elle te dit, la traînée. Max, pétasse à votre femme, elle est là-bas, maintenant. Elle se traîne, ta femme. Toi, tais-toi. Bon, écoutez, donc là vous avez les bilans, les... Bon, écoutez, Nadège va pas vous expliquer ça beaucoup mieux que moi, parce que moi j'y connais... Céline va vous expliquer ça beaucoup mieux que moi, parce que moi j'y connais rien du tout. Ouais, ouais. Mais dans mon boulot, ça tardait. Allez, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ah bah écoute, ils m'ont l'air intéressés les uns comme les autres. Ils ont coupé tout ce
puisqu'on leur a fait trois marins. Ah, ça, on a assuré toutes des bêtes. Et surtout, toi, avec tes explications comptables, ils y ont vu feu du feu. Hein. Tu me diras. Et tu as raison, c'est vraiment des champions. Ah oui, alors ça, les champions de la classe mondiale, tu disais. Bon, et maintenant, je vais laisser mijoter et après, vous faire ici la bonne sauce. J'aimerais pas être à leur place en ce moment. Ça doit chauffer. Oui, tout à l'heure, ils étaient à deux doigts de se taper sur la figure. Bon, écoute, c'est vrai qu'ils sont vaniteux et arrivistes, comme tu voudras. Je me demande si on n'est pas trop loin. Bon, ce sont des amis tout de même. Non mais dis, non mais tu rigoles ou quoi? Hein? Tu serais prêt à abandonner si près du but? Hein? Mais attends, comme tu le dis si bien, hein? Une affaire c'est chacun pour soi. Et après tout, les girafes et les merlets, on les voit pas si souvent que ça. Alors tu me feras le plaisir de penser un peu aux cocotiers et aux Bahamas. Tu as raison. Ah. Tu as raison. Les dés sont jetés. Ah. Alors, enfonce. Bien. Allez, allez, tac, t'as raison. Bien, je préfère te voir comme ça. Allez, viens me donner un petit coup de main pour préparer pour ce soir. J'arrive. Ingrid, ma colombe, bientôt nous allons pouvoir rouler sur le sable chaud. C'est bon, tu peux venir. Peux-tu m'expliquer pourquoi tu vas aller à l'avant de cette orgie? Si on veut gagner la partie, il va falloir jouer serré et avancer de sérieux arguments face à Tienne et Nadège. Je suis d'accord, mais... Et alors? Et alors, notre avantage, c'est l'héritage. Nous avons de l'argent de côté, alors il faut profiter. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Vu la somme qu'il nous faut pour acheter leur magasin, il va certainement falloir emprunter à la banque. Et le temps d'avoir une réponse, surtout en ce moment, on aura le temps de tuer un an à coups de figue au mort. Ça, c'est certain. Alors que si on va retirer des quantités, je vais pouvoir lui donner une partie du prix en dessous de table et ainsi apporter l'affaire. Oui, mais les autres, qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire? Oui, c'est vrai, Étienne, il a les moyens et puis il est loin d'être bête. Il va falloir s'en méfier. À ce qui concerne ça, j'ai peut-être tranquille. Oui, ça c'est sûr. Mais fait, et il faut absolument convaincre Jean-Bat qu'elle est incapable de tenir une telle affaire. Eh, ça, je m'achète. Je compte sur toi. Bon, écoute, je vais les prévenir qu'on va s'absenter. Et après, on y va, hein. D'accord. C'est parti. Jean-Bat, Céline, on va s'absenter 5 minutes, hein. Après, on arrive, hein. Allez. Psst! Qu'est-ce qu'elle fout? Oh alors, tu viens? Voilà, j'arrive! Tu as bien compris ce qu'on allait faire. Eh bien, c'est-à-dire que. Pour être franche, pas vraiment. C'est pas possible. Tu veux qu'on l'achète, ce magasin? Ah oui, ça j'aimerais bien. Ah, bon, alors, concentre-toi. D'accord. Grâce à l'international de cette taille, j'ai
mis pas mal d'argent de côté sous forme de bons porteurs pour pas avoir à les déclarer. Hein? D'accord. Et ces bons sont dans un coffre à la banque et il faut que nous allions les récupérer. Pour les déclarer. Mais non. Pour les ramener ici, afin de négocier un autre total avec Jean-Baptiste et Céline pour prendre l'avantage sur moi, c'est Tatiana. C'est ça? Alors, tu vas aller sous une table avec Max et Tatiana pour négocier des titres pour déclarer Jean-Baptiste. J'ai besoin que tu m'accompagnes à la banque pour retirer ces titres qui sont dans ton coffre pour acheter ta magasin. C'est cher, non? Eh bien, si tu me l'avais dit plus calmement, j'aurais compris, hein. Ok, je me bon, alors, pour faire ça, on prend la voiture et on y va. D'accord. Allez. Ça, j'ai compris. Eh bien, allez, tiens, va démarrer la bagnole. D'accord. Non, ce qu'on fait, je vais prendre les clés, attends, voilà. Je vais les prévenir. Jean-Baptiste, si, on va faire un petit tour, on en a pour 5 minutes maxi, hein, maxi. Allez, c'est bon, on y va. Nadège, ça c'est par là. Je crois que tout fonctionne comme sur des roulettes. À mon avis, tu veux que je te dise où ils sont allés là? Ils sont allés chercher du sonnant et trébuchant, manière de nous convaincre plus facilement. Ah, ça c'est bon signe. Ah oui, 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 oui. Ah, mais c'est vraiment des champions, des champions. On pouvait pas espérer mieux. Tiens, pour fêter ça, je vais aller chercher du champagne à la cave. Et va pas non plus vendre le bon ours avant de l'avoir tué, hein. Ne t'inquiète pas, il ne s'agit pas d'un ours qu'on va appeler, mais bien de pigeons qu'on va plumer. Tout se passe comme prévu. Allô, chérie? C'est moi. Voilà, voilà, j'arrive. Bon, le champagne est au frais, restons patients. Entrez, entrez. Nous voici le retour. Pour discuter de notre petite affaire. Bien sûr, vous avez besoin d'informations complémentaires peut-être. Non, non, mais simplement pour discuter d'éventuelles modalités, quoi. On voudrait discuter de cela avec vous, en tête à tête, quoi. Mais pourquoi pas, hein, qu'en penses-tu? Bien sûr, allez, attends, pas de problème. Allez-y, écoutez-vous là. Nous avons réfléchi à votre proposition et... Bon, cela correspond tout à fait à ce que nous recherchons. Nous sommes donc intéressés par cette acquisition. Néanmoins, il me semble que les girards sont également intéressés. Eh oui, c'est vrai, il va nous falloir choisir la meilleure offre des deux. Ah, et oui. Mais oui, mais oui, c'est bien pour ça que nous voulons discuter des modalités. Oui. Et vous faire... une proposition, mais tout à fait honnête, hein. Ça va sans dire, ça va sans dire. Ah, je vais aller ouvrir. Bien sûr. Bon, attends de la ligne, hein. Pas de problème, pas de problème. Je vais appuyer. Entrez. Et voici le retour. Alors, vous avez fait vite, dit-on.
vous n'aurez rien du tout à faire dans le quartier. Rien hein. Du tout. Le, vous avez raison. Vous cherchez. Ouais. Oui. Nous ne vous dérangeons pas au moins. Hein. Non, non, venez tout. On est en train de visiter. Joignez-vous à nous, pas de problème. Je vous mets au milieu, hein, pas de problème. Tu veux passer là? Bon, c'est bizarre tout de même ce besoin d'aller faire un tour dans ce quartier. Ouais, c'est une petite course comme ça, quoi. Mais vous m'avez été sorti tout à l'heure, non? Oui, oui, nous sommes allés voir un ami qui habite juste à côté. Oui, un ami à moi, un ami d'affaires. Oui, oui, oui. Alors, un très très bien ami, alors. Hein. Tiens, c'est la petite Vianney. Reste là, mon chéri, je vais aller ouvrir. Hein. Pas de problème, pas de problème. J'avais pas l'intention d'aller ouvrir à sa place. Hein. C'est marrant. C'est marrant tout de même, ce besoin qu'ont les femmes de toujours montrer qu'elles font quelque chose. C'est sûr que vous les hommes, vous ne risquez pas de vous faire remarquer grand chose. Ça ne t'empêche pas d'être efficace, hein. Dans quel domaine, par exemple? Dans quel domaine? Eh bien, sur le plan professionnel, par exemple. Ça, c'est sûr que, vu comment la parité est respectée, on n'est pas prêt de vous rattraper aussitôt, hein. Ouais, mais parlez comme vous, très cher. Ah, ça, je ne risque pas de parler en votre nom, hein, ma chère. Parce que vous, alors, vous êtes hors concours. Ça a pas recommencé, hein. Eh ben, je demande donc à la blonde de la pierre. C'est la tête qui a commencé, là. C'est la tête qui se le fait. Calmez-vous, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Calmez-vous. Là, voilà, tout va bien. Oui. Tu peux venir, s'il te plaît? Oui, bien sûr, qu'y a-t-il? Écoutez, je vous propose d'aller vous détendre dans vos chambres et nous reprendrons cette petite conversation après, n'est-ce pas? Hein? C'est clair. Allez. C'est clair qu'il y en a certains qui ont besoin de se calmer, hein. Oui, oui, oui. Allez-y, allez-y. Passez, passez par là, passez par là. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons la visite d'un inspecteur du fisc. Quoi? Pourquoi tu m'as rien dit? Où il est? Qu'est-ce qu'il veut? Mais t'es rigolo, toi, mais j'étais pas au courant, figure-toi! Mais va lui mourir, qu'est-ce que tu attends? Oui, bien sûr. Un inspecteur du fisc. Ah ben, il manquait plus que ça, tiens. Ah ben alors, ceux-là, ils arrivent toujours quand on n'a pas besoin d'eux. Ça me rappelle ma belle-mère, tiens. Inspecteur du fisc, ça veut dire contrôle fiscal, ça? Ça veut dire sauver les meubles? Le Modigliano? Le Modigliano? La Voltex. La Voltex. Monsieur Jean-Baptiste Moreau. Oui, c'est moi. Adrien Courtois, inspecteur du fisc. Je suis chargé par le gouvernement français d'effectuer un contrôle fiscal sur votre établissement. Je suis passé directement là-bas et on m'a dit que c'était effectué dans votre appartement. Est-ce exact, monsieur Moreau? Oui, oui, effectivement, c'est mon épouse ici présente qui tient la comptabilité dans un bureau à côté. Là. Monsieur Moreau, me permettez-vous d'accéder aux documents administratifs? Est-ce que j'ai le choix? C'est bien ce que je pensais. Alors allez-y, mon épouse va vous montrer où ça se passe. Chérie, si tu veux bien accompagner monsieur. Je vous remercie, monsieur Moreau. Mais je vous en prie. Je vous désirais pour vous. Je peux vous demander l'objet de ce contrôle, la raison de ce contrôle? Voyez-vous, monsieur Moreau, je ne suis pas tenu de vous répondre. Mais sachez que je ne suis pas venu chez vous tout à fait par hasard. Ah bon? Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Avez-vous beaucoup d'ennemis, monsieur Moreau? Non, pas que je le sache. Pourquoi?
parce que vous avez été dénoncé anonymement. Bien entendu. Dénoncé, Monsieur Moreau. Moi oui. Et qu'est-ce que j'ai fait? Mais ça, nous sommes là pour le savoir, Monsieur Moreau. Mais vous savez, il y a plus d'une façon de détourner l'argent de l'État français. Plein de façons. Il y a par exemple... Fausse déclaration! Omission de cotisation! Et détournement de fonds! Mais nous, les petits malins, ils nous font pas peur! Ils rigolent le moins quand ils se retrouvent derrière les mots, Monsieur Mao! Derrière les barreaux, Monsieur Mao! Oui! Mais nous, on finit toujours par les pincer! Ils finissent toujours par rembourser l'État français! Qui a grandement besoin d'argent actuellement, Monsieur Mao! M'amener le fond de dossier. Ça ne vous dérange pas, monsieur? Non, 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 pas le moins du monde. Ça ne me dérange pas du tout. Elle peut habiller ce qu'elle veut, quand elle veut. Ça ne me dérange pas du tout. Je vous remercie, monsieur carré, pas de problème. Est-ce pas, chérie? Bah oui, je crois. Enfin, j'espère. Comment ça, j'espère? Ben, je peux avoir fait une erreur sans le savoir. Comment ça, sans le savoir? Mais dis marrant, toi, mais j'ai pas servi de comptabilité, moi. Et encore, ça fait longtemps que je l'ai passé, alors. Qui c'est qui m'a dit, t'inquiète pas, je c'est moi qui te souviens de la comptabilité, c'est le pape, peut-être? Eh ben, justement, moi, j'ai fait ça pour te rendre service. Et à l'époque, t'étais content de m'avoir parce que t'étais loin de pouvoir t'en payer un vrai. Oui, bon, écoute, calme-nous. Tiens. De toute façon, s'il y a une erreur, il va la trouver, l'autre mon tour. Tiens, pour lui faire confiance. Mais nos amis qui sont à côté, qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, calmons-nous, je te dis, calmons-nous. Et de toute façon, il ne doit pas savoir ni qui il est, ni pourquoi il est ici. Tu as bien compris? Non, de toute façon. Bon. Et puis, il faut qu'on trouve une solution plus vite pour nous dépêtrer de cette affaire sans trop de dégâts. Mais. Ça? J'ai un plan. Il m'aurait bien eu en tous les cas. Je m'en occupe. Ne t'inquiète pas, je gère la situation. Je m'en occupe. Très bien. Il va falloir jouer serré. Très serré. Bon, alors, tout est ok, hein, c'est bon, tu as bien compris ce qu'on va faire, hein? Oui, Étienne. Allez, vas-y, répète. Alors, en fait... Alors, les tourneaux, qu'est-ce qu'on complote par ici? Ah, mais pourquoi le tigre s'est en train de comploter, hein? Oh, là, mais il a tellement grandi. Oh, non. Alors que nous-mêmes sommes tellement... détendu. Parfaitement, mon cœur. Ah, ma chérie, hein. Eh bien, le mot détendu ne correspond pas vraiment à quelqu'un qui s'est déjà fait faire de lifting. Merci de me le rappeler, ma chère. C'est clair que vous n'êtes pas dans ce cas. Parce qu'avec toutes les rides qui vous courent sur le visage, j'ai peut-être quelques rides, mais cela reste naturel. Et puis ne le prenez pas mal, ma chère Tatiana. Et vous avez bien fait de vous faire lifter avec les méchantes ornières que vous avez là sur votre front. Ah, à tous
des cas, c'est clair que ça ne peut pas être votre cas, ma chère, d'avoir des rides à cet endroit-là. Ah bon? Et ça veut dire quoi, ça? Cela veut dire que pour avoir des rides à cet endroit-là, il faut avoir un cerveau, le faire fonctionner, réfléchir, et ça suppose d'avoir un cerveau. Oh, s'il vous plaît, ça va pas recommencer, hein, oh! Que se passe-t-il ici, hein? Oh, mais oui, on papote. Ben, je préfère ça, car voyez-vous, il serait gênant de se disputer devant les autres. Ah. Et oui, figurez-vous que mon aide de comptable est venu me donner un petit coup de main. Ah? Oui, oui. Je sais pas qu'il y avait un employé. Oh oui, bon, normalement je fais la comptabilité moi-même, hein, vous le savez. Mais pour être sûr que je suis en règle avec l'administration fiscale, de temps en temps je fais venir un petit coup de main. Ah, c'est un expert comptable alors. Non, pas vraiment. Bon, disons que c'est quelqu'un qui a quelques connaissances en la matière. Ah oui, un conseiller juridique. Voilà, oui. Mais il vous coûte pas trop cher. Oh non, bien sûr, il vient ici quasi gratuitement. Hein? Comment? Mais il n'est pas déclaré? C'est du black. Oh, mais je suis... Mais tout le monde tué, là. Cette fois, tu bosses pas à l'international, toi. Mais non, ça s'est terminé, le black, le noir. Y'a plus de black, y'a plus de noir. T'as des liquidités, ça va, ça vient. C'est fini, le black, le noir. Mais non, y'a pas question de noir, de black, non, rien de tout ça. Hein? Mais c'est qui, cet ami africain? Laisse tomber, Nadelle, ne cherche pas à comprendre. Ne cherche pas à comprendre. Voilà, c'est mieux. Bon, écoutez, en tout cas, je compte sur vous pour le laisser travailler dans le calme. Oui. Voilà, tu peux compter sur nous. Oui, c'est bien. Bon, j'aurais besoin d'un petit coup de main en cuisine, là. Ah, ouais, je veux bien. Ah, non, oui. Je vais y aller. C'est mieux. Bon, nous voilà enfin tranquilles. Bon. Profitons-en pour faire le point. Alors, dit, tu as bien compris comment nous allons faire. Mais dis, tu veux pas pour l'autre truc, je crois. Mais non. Mais ben, il va falloir jouer serré. Donc il vaut mieux être au point. Bon, allez. La préparation, c'est 80% du succès. Oui, je sais ça. Bon, allez, je t'écoute. Alors voilà. Oh. Ah, bonjour. Le comptable. Le comptable. Excusez-moi, les patrons ne sont pas par là, bonjour, madame. Non. Vous savez... Ils sont à côté, là, c'est bien connu. Pendant que les petites gens travaillent, les patrons s'amusent. Ah oui. Mais permettez-moi de vous dire que je trouve cela lamentable de faire travailler des gens au noir. Les parler de travail non déclaré, monsieur. Mais oui. Alors qu'on pourrait payer quelqu'un, pour sa compétence, pour son travail. Mais non, on préfère faire venir quelqu'un pour au bout, on sert le sou. Hein? Ah. Pour mieux l'exploiter. Et puis on sait qu'il se plaindra pas, le pauvre, puisqu'il n'est pas déclaré. Mais c'est intéressant ce que vous dites là. Oui, il a raison, hein. Moi, c'est pitoyable et moi, ça me fait le cœur. Ça vous fait pas le cœur à vous? Et puis, je vais vous dire. Moi, les patrons qui profitent des pauvres gens, moi, ça me connaît. Je vais vous dire une chose, si tout se passe comme on le veut, on fera certainement la peine à vos services. Et tout ceci ne restera pas dans l'ombre. Ah là là, mais c'est vraiment intéressant ce qu'on me dit. Mais oui. Et puis comme ça, je vous payerai normalement. Vous serez en règle, déclaré, quoi. Et vous serez tranquille. Mais dites donc, si je comprends bien... Si je comprendrai très bien, vous avez parlé que c'est du travail non déclaré. Mais c'est du travail de moi, ça! Mais oui, mais ça fait deux ans que je vous le dis, vous êtes là, des tableaux, hein! Oh, les sacs! Ah, tu tombes bien, toi! Ah! Tu tombes bien! Mais pourquoi? Parce que j'étais en train d'expliquer à monsieur que c'était pas très joli d'exploiter les pauvres gens, tout ça pour payer moins de charges! Oui, mais écoute, c'est ni le lieu ni le moment pour parler de ça, hein! Écoute! Max, Tatiana, c'est Céline qui vous appelle à la... C'est rien. Dites-donc, monsieur Moreau. Oui. Vous êtes du genre expéditif. Hein? Ah non, c'est rien. Ce sont des clients importants que j'ai invités à passer quelques jours à la maison et...
Bon, ils sont un peu lourds, alors bon, j'ai agi au plus vite, hein, je voulais pas qu'ils vous importunent. Voyez-vous, monsieur Moreau, je les ai pas trouvés lourds du tout, mais alors... Pouvez-vous me dire où sont les déclarations de l'année dernière, monsieur Moreau? Les déclarations de l'année dernière? Mais écoutez, allez au bureau, je vous envoie mon épouse tout de suite. Elle va vous trouver ça. Ça, et c'est la possibilité, elle sait parfaitement d'où on se trouve. Elle va vous trouver. Allez-y, je vous appelle. Je vous remercie, monsieur Moreau. Je vous en prie. Je compte sur votre diligence, monsieur Moreau. Parfait, parfait. Et dépêchez-vous, je suis assez pressé, parce qu'en ce moment, il faut qu'on ramasse de l'argent. On a des petits contrôles effectués à droite à gauche. Oui, je comprends, oui. Alors, dépêchez-vous. Je vous l'envoie tout de suite. Avec diligence, avec diligence. Je vous remercie, monsieur Moreau. Avec diligence, les coraux et les ailes. Bon. C'est que je vais trouver ces lignes. Qu'est-ce que je vais faire? Bon. Alors? Oui. Ça y est, t'es calmé? Hein? Ah oui, non, c'est rien. Tu peux parler? Oui, oui, non, c'est rien, c'est l'autre comptable. Bon, alors, si on commence sérieusement. Eh bien oui. Bon, mais écoutez, j'ai bien réfléchi à notre affaire et je pense que. Vous êtes les candidats parfaits pour reprendre et diriger cette affaire. Ouais! On est les champions! On est les champions! Il y a un problème. Il y a un problème. Oui, oui, le problème, c'est Céline. Oh. Oui, elle ne partage pas mon point de vue. Elle aurait même tendance à préférer les autres. Oh non! Et oui. Et oui, c'est embêtant. Alors, je ne sais pas, moi, si vous aviez un petit quelque chose... Pour les faire changer d'avis, je sais pas, parce que vous savez, Céline, elle est très attachée à l'aspect financier de ce projet. Alors là, je crois qu'on a ce qu'il faut. Ah bon? Tatiana, va chercher la mallette. J'ai vu! La mallette? Oui, la mallette. Figure-toi que tout à l'heure, lorsque le service a été, on est allé faire un tour à la banque pour tirer du liquide au cas où. Oui. Et oui, bah, écoute, c'est pas dans mon genre de proposer des dessous de table. Mais puis si ça peut décider Céline, pourquoi pas, hein? Mais... Et puis, c'est pas la peine de me parler aux autres. D'accord, mais je... On n'est pas obligé de tout déclarer. Je croyais que tu n'aimais pas dissimuler, toi. Il y a un temps pour être honnête et un temps pour faire les affaires. Voilà! Il y a là-dedans de quoi séduire la plus vénale des femmes comptables. Oui. Ah, oui, oui. La clé. Oui, la clé. Oui, la clé de la mallette. La clé. Et tu l'as pas la clé? Mais non, je n'ai pas la clé, mais c'est toi qui l'avais, la mallette. C'est moi qui avais la clé? Mais non! Non, tu l'as perdu la clé! Mais non, mais c'est toi qui l'avais! Non, où t'avais la clé? Mais je sais pas, moi, mais tu l'as pas, toi! Je l'ai pas, moi! Regarde, sous ta jupe, sous tes corps! Il n'a pas la bonne clé. Mais si, mais... Ta mallette, là, elle n'est pas... Bon, tout va bien. Écoute, je vais de ce pas mettre ça au coffre et en parler à Céline pour la convaincre. Oui. Ne t'inquiète pas, je vous occupe. Ah, ma chérie. J'espère que ça va marcher. Parce que moi, ça me fatigue. Tatiana, Céline est comptable, ça va marcher. Ouh. Allez, viens, ma fille, oh, on va se reposer. Hein. Quand Céline aura fini avec son copain comptable, ben, elle aura qu'à nous le faire savoir. Hein. C'est pas très sympa de vous laisser en plein dans la cuisine. Hein. Ouais, mais en même temps... Ça va nous permettre de réviser un petit peu la stratégie, hein. Alors, vas-y. Ah, vous êtes là? Ouais. Bon, et justement, je voulais vous voir. Ah, ouais. Écoutez, j'ai bien réfléchi. Ouais. Et je pense que vous êtes les candidats parfaits pour reprendre et diriger cette affaire. Ah oui, ah.
C'est vrai ? Oui, il y a un problème. Allez, j'ai un problème. Allez, j'ai un problème. Oui, il y a un problème. Le problème, c'est Céline. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle partage pas du tout mon point de vue. Elle aurait même tendance à préférer les autres. Ah, c'est embêtant, ça. Et oui, c'est embêtant. Alors, je sais pas moi si vous aviez un petit quelque chose, manière de la convaincre, tu vois ? Parce que tu sais, Nadège, elle est très attachée à l'aspect financier de ce projet. Ok. Alors, je sais pas. J'ai ce qu'il te faut. Nadège, s'il te plaît, va me chercher ma serviette. On est allé faire un petit tour en ville, là on se promenait avec Nadège et on est passé par la banque. Ah ouais. Et je me suis dit, ça allait tirer des bons porteurs. Quelle bonne idée. Bah ouais. Bah tu me connais, c'est pas mon genre de proposer un petit coup de table. Non, bien sûr. Mais bon, si ça peut aider Céline à se décider, why not, hein? Effectivement. Ah, bien sûr, on n'est pas obligé d'en parler à Max et Tatiana. Bien sûr. Hein? On va rester entre nous. D'accord. Hein? Ok. Alors, qu'est-ce que c'est, cette histoire de mollet? Tu vas voir. Pas la tête, va nous ramener ça. Mais qu'est-ce que tu veux que tu fasses? Eh ben, tu m'as dit ma serviette, où je t'ai apporté ta serviette. Mais là, je te parle de ma serviette, il s'agit de ma serviette, de mon port, de document. Ah. À un moment, je vous demande si je vais pas cracher. Je comprends. Ah, en tout cas, je te remercie vraiment, de nous avoir choisi. Et je te promets, je ferai tout mon possible pour que Nadège soit à la hauteur. Ah oui, ça c'est sûr qu'il va falloir l'aider, hein. Ouais. Ok, c'est pas encore fait. Non, mais tu vas voir, si elle trouve... Il reste encore à convaincre Céline, hein. Non, mais si elle trouve... Voilà. Cousine. Tu as trouvé. Il y a là-dedans de quoi convaincre la plus vénale des femmes. Parfait. Étienne, le code. Quoi le code? Le code de la mallette. Et t'as mis le code? Eh bien oui. Mais tu vas jamais t'en rappeler du code. Non, tu vas jamais t'en rappeler du code. Si. Non. Si. Non, tu vas jamais. Et alors c'est quoi? 19442. Essaye toujours, mais tu comprends. Oh, ça marche. Alors là, tu m'aimes pas, là, vraiment. C'est bon? Ah ouais, parfait, alors là, impeccable. Je vais de ce pas en parler à Céline, hein, et la convaincre. Ok. Je vais mettre au coffre et je lui en parle, je la convaincre. Comptez sur moi. C'est bon, ça va marcher. Céline est comptable, ça va marcher, tu vas voir. Oh, j'espère, parce que j'en peux plus, mais j'en peux plus, hein. Va prendre l'air 5 minutes, ça te fera du bien. D'accord. Hein, va te reposer. Allez. C'est un petit peu le surmenage intellectuel, mais ça va aller mieux, Tiens, mais je prends bien, hein. A plus tard, mon cousin. Mademoiselle m'a expliqué qu'elle était venue apporter le dossier, mais en fait elle l'a oublié.
le dossier au commissaire, mais je l'ai oublié. Au commissaire. Oui, enfin, mademoiselle m'expliquait que, avant de travailler aux impôts, elle était à l'intérieur. Alors, tu comprends, commission au compte, inspecteur du fils, tout ça, c'est un peu piqué pour écho, hein. Vous avez pas l'air de tout savoir. Oh, vous savez, moi j'ai 4 dans la police, c'est pas trop mon truc, hein. Dans la police. Oui, oui, c'est ça, elle était à l'intérieur, hein, donc elle comprend tout, la police, les... Oui, écoutez, mademoiselle, c'est peut-être le moment d'aller chercher votre dossier, hein. J'y vais et je cours tous. Allez-y, allez-y. Je m'accompagne. Ne bouge pas, je m'accompagne. Vous t'occupe, t'inquiète. Ah bah. Elle est pas très douée, celle-là. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Il manque des documents dans les déclarations de l'année dernière. Oui, mais je vais venir vers vous. Je vous remercie, madame Moreau. Votre secrétaire vient de passer. Pardon ? Votre secrétaire vient de passer. Ah oui, parfait. Elle a oublié le fond de dossier. Ah ben non, elle l'avait oublié. Elle l'a oublié comme c'est bizarre. Oui, alors allez. Comme ça, elle l'a. Oui, ben en tout cas, votre secrétaire est tout à fait sexy et séduisante et doit avoir beaucoup de succès auprès de ses collègues masculins. Excusez-moi, madame Moreau. Oui, Moreau. Non, vous me dites que ma secrétaire est celle-ci. Vous devez faire erreur, ma sœur, ma secrétaire. Non, c'est quelqu'un de sérieux. J'ai une vraie fonctionnaire. Elle est droite, elle est vraiment très bien. Voyez-vous, mais alors sexy, ah, vous faites erreur. Voyez-vous, vous avez pas. Ah oui, voilà. Donc, ma secrétaire, voyez-vous, elle n'est pas du tout sexy. C'est pas le genre de personne qu'elle passe. Vous ne regardez pas le... Vous la regardez pas. Je ne suis pas du tout. Oui, bon. Écoutez, on ne va pas se crier dessus pour une secrétaire. Oui, en effet, ce n'est pas le moment. Oui, mais... Nous verrons plus tard. Écoutez, allez voir le... Allez-y, parlez aussi et je vous reprends. Je vous remercie, mais dépêchez-vous. Elle aura fini de tourner. Vous venez me voir. C'est ça. Non, mais allez-y. Elle n'a pas la vache. C'est... Allez-y. Ben, dépêchez-vous, quoi. Ouais. Ça va, ça va.
difficile, tu sais, mais bon, je m'en occupe. Bien, mais je te laisse enterrer et je compte sur toi. Pas de problème, pas de problème. Allez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de liaison entre Ingrid et Étienne? Il faut que j'éclaircisse cet embrouille, moi. J'aime pas trop les histoires à couper les nouilles au sécateur, moi. Alors, papa, t'as parlé de notre petit arrangement avec Céline, elle est convaincue? Oui, bah écoute, on en a parlé longuement. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Et alors, bon, sur le principe, c'est d'accord. Mais tu sais comment sont les femmes? Quoi qu'est-ce qu'il y a encore? Il ne faudrait pas qu'elles changent d'avis au dernier moment. Alors moi, ce que je te propose, c'est que tu lui présentes le chèque du solde de la transaction. Voilà, hein. Après, madame Akan et mon chapeau, c'est fini. Mais attends, mais attends. Tu me demandes de faire le chèque du magasin avant même d'avoir rempli les papiers de la vente. Mais oui, et alors, t'as pas confiance? Tu crois que je vais partir avec l'argent comme un voleur? Mais non! Attends, mais c'est ça que tu conçois notre amitié! Mais arrête d'être susceptible attends, comme arrête, ça! Arrête, non, mais attends! Mais non, mais attends! Moi, 30 ans d'amitié! Non, mais arrête! Sur la tête de ma mère! J'en bats! Non, ne prends pas comme ça! Ne le prends pas comme ça! Tiens, je vais te le faire le chèque! Ne le prends pas comme ça, regarde! D'accord, oui! Alors, on avait dit combien. Alors, donc on s'était dit. Ah oui, d'accord, et c'est en plus de ce et, temps. Et oui, c'est en plus, oui, oui. Alors voilà, oui. Voilà. Parfait. Donc, le montant parfait, un chiffré en lettres, impeccable, signé, en mon nom. C'est parfait! Voilà qui m'a scellé la décision de Céline dans du marbre. J'espère. Bon, mais écoute, je vais de ce pas prévenir Tatiana. Hein. Voilà, contente. Écoute, par respect pour Étienne et la belle, tâchez de rester discret. Hein. Oh, ça, tu peux me faire confiance. Oui, mais je te connais, oui. Bon, tu peux compter sur moi. Voilà, oui, oui. Allez. Tatiana! Alors là, j'en bats de mon pote qui a la baraka, qui est le champion du monde, le champion du monde. Il va bien, il se le rate. Impeccable, j'ai pas grillé alors. On va même très bien. Ah, ok. En revanche, tous les deux, faut qu'on se parle, hein. Pas de problème, ici, hein. Ingrid, tu l'as connu où? Ingrid, fais pas les consens. Mais attention, je connais aucune Ingrid. Attends, Nadège, je vais te raconter à Céline tout à l'heure. Bon, mais pas du tout. Par contre, on contrerie, Nadège m'a parlé d'une relation que tu aurais, toi, avec une jeune inspectrice. Même que Céline aurait l'air de prendre ça plutôt bien. Oui, d'accord, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Non, c'est rien. Tant mieux. Ah, ouais, Nadège m'aura mal compris, comme d'habitude. Oui, c'est ça, oui. Bon, alors, prends-y une petite affaire. Oui, alors... Tu as parlé à Céline? Oui, j'ai parlé à Céline. On en a parlé longuement. Ouais. C'était difficile, hein. Mais... c'est que elle serait presque... Monsieur Précipé, c'est d'accord. Ah, mais bon, tu sais comment sont les femmes, il ne faudrait pas qu'on change d'avis au dernier moment. Ouais. Alors bon, moi, ce que je te propose, hein, qu'est-ce qu'il te faut? Ah bon? Alors, attends, hein, je suis dans l'international publicitaire. Alors, tu comprends, je connais un petit peu de woman. Ah bon? Alors, je te prépare un petit chèque. Histoire d'aider Céline à se décider, quoi. Voilà. Ah ben alors là tu m'épates. Ah ouais. Bon, je pense qu'avec ça, plus la mallette, aucun problème. T'assurer qu'avec ça, je vais sceller la décision de Céline tant du mal. Bon, mais pour les modalités, le reste, on verra ça pour prendre la signature. Oui, bien sûr, après, oui. Ok. Oui, on verra. Je vais aller annoncer ça à la dette. Elle va être contente. Par égard pour Max et Tatiana, tâchez de rester discret. Ouais, tu me connais. Oui, justement. Oui. Allez, à tout à l'heure. Nadège, je tout seul. Nadège. J'en fais de mon pote, encore une fois, t'as été le meilleur. Wouhou, t'as un braquage. Allô, mon père Rick? Oui, c'est moi. Oui, tu peux venir. Oui, c'est fait. Oui, ça y est. Oui. À tout de suite, ma tourterelle. Moi, à tout de suite. Moi. Répondez.
t'assure, mon petit. Oui. Mon petit merlu, je t'assure. Mais oui, je comprends pas pourquoi tout à l'heure tu m'as fait une scène de ménage. Tout à l'heure. Mais tout à l'heure, je n'étais pas fait de scène parce que nous n'étions pas seuls. Mais maintenant, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi tu vas absolument me cacher que ton secrétaire est une sexy pétasse. Mais je comprends pas. Oh, arrête de me faire marcher et de vouloir absolument me mentir. Tu te couches avec cette moumou, c'est ça? Mais j'ai jamais couché, mais non. Oh. Mais enfin, mais j'ai pas rêvé, je l'ai vu tout à l'heure, elle était là. Je sais pas. Est-ce que t'es sûre que c'est elle? Bah, oui, enfin, je crois, quoi. Ah, tu crois? On dirait un corbeau, tu crois. Comment prouver mon innocence? Ah, je sais. Je l'ai pas, moi. Je l'ai pas. La preuve de mon innocence, mon petit bulot. Judith Lafont. Non. C'est pas du tout la fille que j'ai vue tout à l'heure. Ah non, du tout. Mais c'est ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure. D'ailleurs, ta secrétaire, c'est vrai qu'elle a quelques heures au compteur. Ah bon, tu vois, non, moi, je sais pas pourquoi, moi. Oui, mais si ce n'est pas... C'est bien la maîtresse d'Étienne, alors. Hein? Étienne, qui c'est celui-là, Étienne? C'est certainement un stratagème de Jean-Baptiste. Ça doit être ça, oui. Bon, maintenant que le mystère de la secrétaire, machin truc chouette, là, il est résolu, tu m'envoies vraiment soulager mon petit bulot. Non, on n'a pas fini, là, tous les deux. Hein? Qu'est-ce que tu fais, toi, avec le badge de ta secrétaire, là? Je sais pas pourquoi j'ai le badge. Pourquoi j'ai le badge? Tu en sais rien, moi, pourquoi j'ai un badge? Oh, tu vas me faire croire ça? Bien sûr que si, tu vas le savoir. Écoute, après, tu me laisses tranquille, c'est juré. Ma petite moule. Je travaille dans les trésors publics. Je travaille très tard le soir, je me lève très tôt au matin. Et donc, j'avais faim. Je cherche mon petit badge. Alors, elle est passée, donc j'ai dit, s'il vous plaît, Maigret, s'il vous plaît, est-ce que vous auriez l'amabilité de me prêter votre petit badge pour que je puisse aller me restaurer? Et donc, comme c'est quelqu'un vraiment de très efficace, vraiment très efficace, et puis, donc, elle me le donne, je suis allé manger, voilà, on va faire un flan pour un truc comme ça. Excuse-moi, mon petit merlou, mon espèce d'endésir. Non, mais tu comprends, je suis tellement jalouse. Mais oui, je sais, déjà au lycée, t'étais comme ça. Oui, mais moi, tout ça, ça me met sur les nerfs. Hein. Allez, mon petit bulot. Ça ne saurait durer trop longtemps, hein. Ça va se terminer. Pourtant, du fait qu'il est voulu... Qu'il ait voulu qu'on lui fasse un petit contrôle fiscal pour lui mettre un peu la pression pour avoir le maximum de pognon. Oui, tu as raison. Et j'espère qu'il va réussir à faire payer rapidement les... Ah, pour ça, il a confiance. Ne t'en fais pas. Il va leur mettre la pression parce que, vois-tu... Oui, ça, tu sais. Au trésor public, on t'apprend à mettre la pression. Oui. Tu es sûr dans le tas, là? Il y en a là que je vais. Ça se voit au regard. Tu sais, ça se voit où là-bas? Bon, ah, elle fait la comptabilité, c'est une femme. C'est magouilleur, ça. Bon, oui, bon, tu me l'envoies là, tu lui mets de la pression, on va bien voir. Mais tu as raison, ouais. Je vais aller voir, oui, ouais. Tu l'envoies dans mes filets, poissonner. Bon, mais c'est pas ça. Bon, le bourreau, tu as moi je vais te le dire. Oh! Je sais pas, tu dis est bon. Oh! Il a le temps de venir tuer à celui-là. Ça c'est bien, ça fait peur ça. C'est contracté, mais méchant. Oh! Ingrid! Bon, il va falloir que je me dépêche parce que la môme Céline commence à se faire de plus en plus pressante, hein.
Voyez-vous avec ce que j'ai découvert dans votre compte à vie. J'ai la preuve que vous trompez honteusement l'État français, monsieur Moreau. C'est pas possible. Mais si, c'est possible. Non, mais... mais c'est n'importe quoi, c'est pas moi qui fais la comptabilité, c'est ma femme qui fait la comptabilité. Qui tient les déclarations, qui fait les virements, tout ça, moi je ne sais pas, moi. Les femmes au fourneau, les hommes à la comptabilité, monsieur. C'est peut-être elle qui fait la comptabilité, mais c'est à vous de la contrôler, monsieur. Oh, oh. Non, mais c'est une histoire de fou. Pas tant que ça, monsieur Moreau. Bon, écoutez, qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que vous risquez? Attendez, vu les sommes détournées. On va commencer par... Qu'est-ce qu'on pourrait commencer par le magasin? Et, mais parce qu'il va falloir rembourser pendant des années. Des années? Oh, des années, des années. Donc au début, on vend, on récupère un peu, ça on vend les meubles, on vend. On vend, on ramasse. Voyez-vous, le gouvernement a besoin d'argent actuellement. Bon, écoutez. Non, mais après, vous allez faire un petit tour derrière les barreaux, monsieur. Écoutez, monsieur l'inspecteur, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de pouvoir trouver un arrangement? Je ne sais pas, moi, un petit quelque chose. Je ne sais pas. Dois-je comprendre, monsieur Moreau, que vous me proposez un pot de vin? Oh, disons que ce ne sont pas les mots que j'emploierais, mais si ça peut aider à arranger les choses, je ne sais pas, moi. Détournement d'un fonctionnaire intègre dans l'exercice de ses fonctions. Mais vous aggravez votre cas, monsieur. Bon, si je comprends bien, il n'y a pas moyen de s'en sortir, quoi. Non. Vraiment? Youpi. Aucun moyen de s'en sortir. Non, non, monsieur Moreau, non, bientôt, non. Je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais préparer mes affaires. Ma brosse à dents et tout, tout, tout. C'est une sage décision, monsieur Moreau. Notre propre compte, faire ce que l'on veut, dit. Le bonheur. Ah oh oui, et puis on fera tout ce qu'on veut. Et oui, plus de compte à rendre au chef. Oh, et je pense à ta tête, j'aimerais être une poussée de souris pour avoir sa tête. Ah, mais écoute, hein, oui. En affaire, il n'y a pas de sentiment à avoir, hein, et encore moins de scrupules. Comme me le disait Étienne lui-même au lycée, après m'avoir soulevé une copine, c'est le premier qui lève le canon qui tire. Et puis, à l'affaire, c'est chacun pour soi. Pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment à avoir, il faut bien un gagnant et un perdant. Très bien. Voilà. Ah, vous êtes là. Vous aussi? Oui, elle est là. Et ça va? Oui, ça va. Et vous avez l'air étendu. Ah, hein. Oh, oui. Nous sommes ravis. Ah, oui, nous aussi. Hein, aussi hein. Oh, ça va. Pas de pression, rien. Non, pas de pression. Mais vous n'avez pas de raison. Ah, nous n'avons aucune raison d'être... Non, hein? Bah, non plus. Bah, tant mieux, c'est mieux que vous soyez comme ça. Hein, on est content. Et Jean-Baptiste et Céline ne vous ont pas parlé en particulier. Parler, mais parler de quoi? Je sais pas, moi. Parler. De nous, par exemple. Excusez-moi, mais. Étienne, nous n'avons pas l'habitude de parler de vous en présence de Jean-Baptiste et Céline. Oui, c'est normal. Bon, d'ailleurs, excusez-nous, mais on va vous laisser parce qu'on a des choses à faire. Hein. Allez, au revoir, Étienne.
très strange tout de même, non? Ben, tu vois bien comment ils sont là, détendus, cool, relax. Alors normalement, ils devraient être stressés, angoissés dans l'attente de ce que vont décider les moraux pour la vente du magasin. Ben nous non plus, hein, on n'est pas stressés. On sait que les moraux vont nous vendre le magasin. Ah, mais pas eux. Oh. Écoute, Adèle, ne cherche pas à comprendre. Hein, ok? D'accord, ne cherche pas à comprendre. Je comprends rien et je vais dans ma chambre. Voilà, vas-y, va te reposer. Et t'as, ouais, t'as, attends, regarde. Je t'ai acheté le dernier, oui, oui. Ah. En attendant, moi, j'arrive à comprendre ce qui se passe réellement ici. Tu t'es bien placé pour savoir qu'on a un contrôle fiscal sur le dos, non?
Je vais te prendre avec toi. Moi aussi, je comptais partir seule avec tout l'argent. Non, d'accord, le contrôle fiscal, c'était évident. Mais voilà, 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 monsieur Moreau. Le but était de vous mettre un peu la pression pour avoir un peu d'argent. Et alors, vous êtes une belle brochette d'escrocs, tous les deux. Ah d'accord, donc je vois qu'on avait tous bien préparé notre tour dans notre coin. Oui, sauf que, pour nous, tout est encore possible. Et oui, parce que Hermie a rendu sa maison, on a donc une palette de plus, on en est trébuchante. Bien joué, bien joué, sauf que nous aussi, Ingrid a vendu sa maison de Clichy, et moi j'ai déjà vendu l'entreprise. Par relation la semaine dernière, et j'ai déjà touché 30% d'un compte. Et tac. Mais dites donc, toutes ces sommes réunies, ça fait un sacré paquet de pognon non déclaré, si je veux. Mais ouais, mais voilà, il faudrait trouver un arrangement. Elle n'est pas plus secrète.
En fait, c'est la maîtresse de Jean-Baptiste. Eh oui. Bah alors là, tu m'es pas. Si je comprends bien, ils vont s'appuyer avec notre argent et on n'aura même pas le nous regarder. Attendez, tout n'était pas encore perdu, hein. Tout n'était pas encore perdu. Soyons sérieux. Je vais l'appeler et je vais tout lui expliquer. Ah, mais c'est ça! C'est ça ta solution? Ben oui. Mais qu'est-ce que tu vas lui raconter, ce lieutenant? Eh ben, ce véritillon, c'est fait estroquel. Ah oui! Et tu vas lui dire ce qu'on a donné! Chacun de notre côté de l'argent, dessous de table, c'est ça que tu vas lui dire! Allô, on va te donner le bravo pastis, Je souhaite parler au lieutenant Ambroise. C'est de la part de Étienne Girard. Ouais. C'est très, très, très de rue pressée. Je patiente. Écoute, je ne sais pas. Ben, si, ils ont mis le pognon dans le coffre. Mais par contre, il est fermé à pied. Par contre, ce que je sais, c'est qu'ils vont revenir ici avant d'aller à l'aéroport. Et ça m'étonnerait qu'ils nous filent les mallettes sans broncher. Ok. Alors, c'est la seule solution pour récupérer le pognon. Bon. Ils nous ont pris pour des pigeons, on va leur foutre les poulets au cul. Escroquerie!
Voilà. Adrien, pour toi, inspecteur du fisc. Je vais tout vous expliquer, on est à peu près du gouvernement. J'espère bien que le petit asticot va passer à table et tout vous expliquer. Pendant ta garde à vue. Allez, brigadier, foutez-moi son paillasse. Et nous aussi, le test, là, allez, allez. De savoir garder son sang-froid. Ah ouais. Ça sert d'avoir des relations. Hein. Ah ouais, ouais. Bon, maintenant que tout est terminé, on va pouvoir récupérer nos mallettes et s'en aller. Hein. Allez, merci. Allez, merci. Non, pas si bien. J'en ai pas encore tout à fait terminé avec vous. Ah. Je voudrais tirer cette affaire au clair. Et avant de partir, il va falloir que vous passiez à mon bureau pour que je vous prenne vos dépositions. Oh, il y a du monsieur qui commence à en faire. Vous ne pouvez pas prendre ces affaires. Ah bon? Ce sont des pièces à conviction. Mais à conviction. Mais de toute façon, ces affaires resteront à disposition de la police tant que l'enquête ne sera pas. Terminé. Hein? D'ailleurs, une équipe spécialisée va vérifier le contenu de ces manettes. Elle est là, monsieur Thierry. Merci. Précisément l'origine. Regardez, c'est fini. Chef, oui, chef, on vous a pas dit. Vous ne pouvez pas rester là toute seule sans surveillance. D'ailleurs, j'ai récupéré celle-là, l'inspecteur, hein. Vous allez voir les chefs. Ne vous inquiétez pas. Le brigadier Théophile Van der Breek va s'occuper de surveiller vos affaires. Quant à nous, à la déposition. Allez, hop, en voiture. Ça sent bien la promotion là, hein. Il faut dire, il y a du flic de compète là, hein. Bon, j'espère que ça va pas durer trop longtemps parce que ce soir il y a un match à la télé. Ah, vous savez ce qu'on dit, hein. La police, un refuge pour les alcooliques qui ont été refusés à la SNCF et au PTT. Et, bonsoir. Je suis Judith Arfon, la secrétaire de l'inspecteur. Mais non, que c'est pas l'inspecteur, c'est le lieutenant. Ah si, monsieur Courtois est inspecteur, inspecteur du fisc même. Ah, que je me disais que le lieutenant, il n'avait pas de secrétaire, hein. Et qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, j'aurais bien voulu récupérer mon badge pour aller manger à la cantine. Ah, c'est pas possible parce que tout le monde est parti, hein. Parti? Bah, tout le monde est parti au poste. Poste? Ah, il a sans doute dû aller témoigner, alors. Pas vraiment, non. Oh, mais ce ne serait pas ta sacoche. Ben si, mais attendez, faut pas toucher. Ça va être mes sociétés. S'il vous plaît. Si j'ai tardé. C'est comme ma carte de cantine. Je dois aller manger à la cantine demain matin. Je veux pas... Non, s'il vous plaît, je vous prie quand même. Excusez-moi, j'ai pas le droit, mais... Oh, si, mais... s'il vous plaît. Bon, bah alors, un coup d'œil vite fait, hein. Ne vous laissez pas d'empreinte, hein. Bon. Alors,
Allô? Mais mon chéri, oh, dis donc, ça te dirait une retraite paisible à Bahamas? Parce que je crois que j'ai peut-être trouvé la solution. Oh, il y a nous, le sable blanc, la mer turquoise et les cocktails à l'eau pour les cocotiers! Les maudits de Saint-Papou est très heureuse d'avoir joué devant vos yeux ébahis. On espère. Ce soir. Et d'ailleurs, on a été très bien accueillis par la Soledra, l'association La Soledra. Et à Saint-Anatoly, vous avez une très belle salle, un public chaleureux. Ouais, merci. Bravo. On est des amateurs. Mais de vous entendre réagir, ça donne encore plus... c'est une autre... On va dire ça. Donc, comme vous réagissez, ça nous fait réagir et... On a... Donc, la pièce, c'est une pièce qui a été écrite par un amateur de Bourges qui s'appelle Pascal Proyat. Il a joué là-bas, elle nous a plu, nous on l'a un peu arrangé. Voilà. Mais j'espère qu'elle vous a plu. Vous a bien fait rigoler, qu'elle vous laissera de bons souvenirs et que pour la prochaine pièce, j'espère que nous on reviendra, ça c'est sûr. Mais si vous nous invitez. Ah, voilà. Merci. Voilà. Moreau. Yael
l'espagnol de la soirée. Joël Rosset. Mais elle attend derrière, c'est très long d'attendre, hein, à son tour d'être bien chaude. Pour qu'elle arrive, parce que c'est pas évident. Geneviève Baïsset. L'abominable. Monsieur, monsieur. Philippe. Philippe. Julia. Julia. Qui est derrière nous, Josie. Voilà, Josie, notre régisseur. Voilà. Un électricien vite. Donc, il faut que le... Il y a le son, la lumière, avec Pierre Test, donc, et... Jean-Pierre Lest. Mais il ne faut pas oublier aussi nos épouses ou époux. Parce qu'on passe quand même un peu de temps entre nous à faire les couillons. Et à la maison, quand on rentre, on est obligé de faire la vaisselle. Non, à tout le monde, à nos familles, un grand merci. Et à vous, public surtout. Vous êtes venus nombreux, c'est chaud. Merci.